Coucou, nouveau vlog, c'est un jour décisif pour moi, les essayages. Je sors de la douche, je viens de faire mon shampoing et je descends, je vais me finir de me préparer. Ce temps est magnifique. Où est-ce que j'ai foutu mon téléphone? Oh là là, ça y est, c'est speed, je m'en doutais. Mes cheveux sont lavés en espérant que les mèches ne ressortent pas trop, sinon c'est... Surtout que j'oublie rien, donc il y a attestation, déplacement c'est bon, test Covid, ok. Je crois qu'on est bon là, hein. Cette fois-ci. Je suis partie. Avant que je parte et que j'oublie, cadeau du jour, calendrier de l'avant de ma maman, elle a reçu un bracelet doré, tissé. Il est super joli, très coloré. Elle l'a adoré et je l'avais eu également, je sais plus, mais je l'avais eu par une marque. Et pour ceux qui arriveraient peut-être que maintenant, parce que du coup vous ne savez pas, là en fait je pars pour éventuellement tourner dans une série. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, bah c'est pas gagné. Je viens de rentrer, donc ça a été assez exprès. J'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 personnes maquiller tout ça. Et d'entrée de jeu, j'ai vu carrément la directrice de casting. Elle a vu mes cheveux, elle a fait « Ah, ah, on voit beaucoup les mèches. » Elle m'a dit « Faut absolument que j'aille chez le coiffeur et faire ce que j'ai à faire, sachant que je vais être obligée de tirer des mèches pour avoir cet effet-là. Donc si les mèches ne se voient pas, ça va pour faire de la figure. Mais sinon... Ah, je suis un peu dégue quand même. Mais je m'en doutais, je savais que ça allait tiquer, je vous l'ai dit depuis le début. » Donc bah, je vais appeler ma coiffeuse et puis je vais lui expliquer tout ça et j'y vais à 14h. Il y a plusieurs pièces, donc maquillage, styliste, ils avaient tout installé avec les belles lumières comme j'aime tant dans les loges. Tac, 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 tac. Ça donne envie mais c'est frustrant à la fois quoi. Je suis deg. Et je l'ai vu à leur tête, je l'ai vu à leur tête tous. Tous, ils ont fait bah. Et puis j'arrive dans un autre bureau et elle lève comme ça, elle dit je finis mon mail. Elle fait... Je peux voir vos cheveux de plus près? Tous. Voilà. Je le sens pas du tout parce que trop. Et c'est vrai, oui, bah oui, je tire des mèches tout le temps. Donc forcément, là, moi, je les vois, les mèches. Et même avec le coiffeur, ça se verra. Donc bon. Voilà, donc petite déception, comme vous pouvez l'imaginer. Ça va me laisser le temps d'avancer dans mon vlog. Je me suis mise à l'aise, j'ai enlevé ma robe. Ouais, je suis déçue parce que c'est vrai, quand j'ai passé le casting, elle me dit, bah, je vous le dis, j'ai mis une petite étoile, franchement, bah, pour que vous soyez silhouette, et du coup, la silhouette, bah, laisse tomber. Silhouette, on te voit à l'écran, que là, si je fais de la figure, ce qui n'est absolument pas sûr, que je sois prise même, bah, on ne te voit pas du tout. T'es fondue dans la masse, et voilà, je trouvais ça cool d'apparaître à l'écran, mais bah non, non. Vous savez quoi, je crois que je vais demander à ma coiffeuse de me foncer les cheveux, puisque je voulais me les foncer. Mais vu qu'il y avait le tournage, je devais pas toucher à mes cheveux, bah vu que là, je vais juste faire figure, bah au moins je ferai plus rien du coup. Mais je crois que je vais lui demander de me faire châtain, voilà. Parce qu'en fait, je suis saoulée, et quand je suis saoulée, je fais n'importe quoi. Mais là, je crois pas que ce soit n'importe quoi. J'ai envie de faire un coup double. Tu sais, comme au Scrabble, le mot compte triple. Je suis fort capable. J'en ai parlé à Eric, Eric m'a dit, fais ce que tu veux. Il me dit, moi, de toute façon, je voulais que tu fonces tes cheveux. Idéalement, j'aime autant. Et puis, au niveau de l'entretien, c'est quand même mieux. Mais il me dit, tu le feras pas, tu le feras pas. J'ai même envoyé un message à ma sœur qui me dit, bah, vas-y, go. Genre, vas-y. Je veux dire, c'est bon, quoi. C'est pas le rôle de ma vie. Y a pas de rôle, y a plus rien. Ça monte, ça. Ah non, je suis énervée. Je suis énervée. Ma coiffeuse vient de m'appeler. Elle peut me prendre plus tôt, donc ça, c'est génial. Et on va discuter. Moi, ce que j'ai peur, c'est que dans une semaine, tu me dis, bah, je vais éclaircir. Ah ouais? Ouais. On partirait sur ça ou pas? Je préfère un... Ok. Oui, sur celui-ci. Foncé, hein. Allez, on y va. C'est sûr? Certaine. On fonce? Allez, go. T'es prête? Sinon, après, je vais changer d'avis. On est parti. Non. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Eric il aime beaucoup. Attends. La couleur est magnifique. Magnifique. Alors pour je vais y aller à 4h là comme prévu. Mais bon bah ça n'existait pas je pensais à l'époque. J'ai voulu me faire plaisir. Arrête Jackie. Donc bah j'y vais, il est 4h. J'appréhende un peu leur réaction quand ils vont voir ça. Mais bon tant pis. Avant que je parte mon Jackie, parce que ton père il a validé ma couleur, mais toi? Ah oui, c'est important aussi. À moins que tu reconnaisses plus ta mère, c'est ça? Tu la reconnais plus? Ah non, maman, les tristesses, hein? Aucun effort. Quand il est sur le radiateur, on le perd. C'est foutu. Faut que j'aille recharger ça. Bon, nous allons faire le débrief. Je suis rentrée, je suis restée longtemps, longtemps. Est-ce que je reste là? Moi, parce que j'ai l'impression que la lumière est pas mal.
Déjà, parce que j'étais dans le speed, est-ce que j'aime bien cette couleur? Forcément, ça fait bizarre au début. Moi, j'aime beaucoup. Eric a surkiffé, mais vraiment, il adore. Est-ce que je vais réussir à m'y faire sur le long terme? Pas sûr, c'est vrai que ça fait foncer, mais bon, c'est plutôt joli. Alors, ce qui s'est passé, j'y suis allée. Déjà, ils ne m'ont pas reconnue par rapport à ce matin, forcément, où j'avais le masque. Et là, donc c'était 3, ils m'ont dit, mais... Je fais oui, vu que vous m'avez dit que j'étais pas silhouette, il dit mais il n'y aura pas de silhouette là en fait. Tout compte fait, il n'y a pas de silhouette, c'est que des figurants. J'ai signé une clause, donc je ne peux rien vous dire vraiment, sauf que en gros ils étaient déçus que je ne sois pas blonde. Donc je crois qu'on s'est mal compris. Parce que moi je leur ai dit que si je faisais blonde, dans tous les cas, on verrait les mèches. Et comme il ne faut pas voir les mèches, là on les voit plus, tu me diras. Donc je vais faire la série en tant que figure. Je vais tourner un jour. Je crois qu'il n'y a plus qu'un jour de tournage. Et voilà, donc j'ai essayé ma tenue. Une robe qui arrive au niveau des genoux, franchement ça passe, avec un manteau long. Mais j'ai vu qu'ils étaient déçus que je ne sois pas restée blonde en fait. Il me dit mais non, vous voulez une blonde, on n'a pas de blonde et on vous avait pris pour être blonde justement. Compliqué, mais bon voilà, donc je vais quand même me faire. Je trouve que c'est une super expérience. Et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je pense qu'il y en a plein qui vont dire, mais pourquoi t'es pas restée blonde? Alors, ce sont que des cheveux. J'ai déjà fait une fois un truc comme ça. Si dans quelques mois je change, et je reviendrai blonde. Vous voyez le truc? C'est pas bien grave. C'est pas. Voilà. Et je trouve que finalement, ça me va pas si mal que ça. Ouais. Mon vlog va bientôt sortir. Faut que j'achète des collants par contre, faudra pas que j'ai de vernis, il faudra que j'arrive no make-up. Alors c'est compliqué. Tournage, voilà. Tournage qui va durer 9 heures avec une pause d'une heure pour manger sur place. Voilà. En gros, je vous ai tout dit, il y a plein d'autres choses que je ne peux pas vous dire forcément. Grosse journée là, ça m'a... C'était l'ascenseur émotionnel, franchement. On va manger après ? Oui, oui, bien sûr. Elle m'a dit de pas trop les laver, déjà. Et il faut... Ah oui, j'ai plus de shampoing. Il faut que j'aille acheter un shampoing exprès pour cheveux colorés. Enfin, j'ai faim, quoi. Ah bah ça ? Non, t'es pas cuisinier, non. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié de me prendre un dessert. Non. Si. Bah tu m'as appris un pour moi? Ouais. Bah je te le donne. Non, non, je te le donne. Je te le donne. Arrête. Mais j'ai des trucs. T'inquiète pas. On ne se voit plus. J'imagine que vous l'aurez compris cette fois-ci. Je clôt ce vlog. Je suis partie en robe de chambre. Oh c'est rien. Bon, je vous retrouve. Ah peut-être pas demain. Je sais pas parce que. Ah, je sais pas. Bon, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Salut.